ce que le collectif éveillé peut faire maintenant. Nous sommes très heureux de voir que beaucoup d'entre vous sont assis tranquillement, se détendent et s'ouvrent aux énergies du 11 novembre. Nous savons que vous êtes dans la meilleure position possible en ce moment pour recevoir, car vous vous attendiez à ce que davantage d'énergie afflue vers vous et parce que, en tant que collectif, vous avez fait plus de demandes que jamais auparavant dans votre histoire. Et c'est parce que vous êtes très nombreux sur la planète en ce moment. Vous n'êtes pas en état de surpopulation. Vous avez besoin d'autant de personnes pour provoquer le type de changement dans la conscience collective auquel vous participez en faisant passer votre conscience d'une gamme de fréquences de troisième dimension à une gamme de fréquences de cinquième dimension. Vous avez besoin d'un très grand nombre d'individus pour ancrer les énergies de fréquences supérieures. Et c'est maintenant chose faite. Vous avez besoin d'un grand nombre d'individus qui se réveillent en permanence. Et c'est également le cas. Vous avez également besoin de patience, car certains d'entre vous sont éveillés depuis des décennies et vous attendez des changements massifs depuis tout ce temps. Même si ceux d'entre vous qui sont récemment éveillés rencontrent maintenant des prédictions après prédictions sur l'événement, le changement, les jours d'obscurité, les arrestations massives, la divulgation complète et toutes les autres prédictions qui se retrouvent sur les blogs et les sites web des gens et sur leurs vidéos. Les gens veulent vraiment que les choses changent sur Terre, mais ce sera un processus lent qui demande aux gens d'être plus introspectifs que d'avoir la connaissance de ce qui va se passer ensuite, quand et qui va l'orchestrer. Nous avons vu tellement de choses de ce genre dans la communauté spirituelle que nous supposerions maintenant que les gens abandonnent l'idée que quelque chose d'extérieur à eux peut tout changer. Nous vous ramènerons toujours à l'essentiel et dans cet essentiel qui comprend la méditation, l'enracinement, la connexion avec la nature, l'hydratation et ainsi de suite, vous recevrez de l'aide. Vous recevrez de l'aide au bon moment et au bon niveau. Vous ne voulez pas que tous ces changements se produisent d'un seul coup, pour diverses raisons, la plus importante étant que la plupart des gens ne sont pas prêts. Et vous, en tant que collectif éveillé, devez être patient avec vos semblables et faire de votre mieux pour profiter du voyage et vous tailler une petite poche de vie dans la cinquième dimension. Et c'est possible. Beaucoup d'entre vous qui reçoivent ces transmissions le font. Vous vivez votre vie de cinquième dimension en ce moment même. Vous accédez à un plus grand nombre de vos dons et de vos capacités. Vous vous manifestez et vous vous connectez à des groupes et à des êtres de dimension supérieure. Nous savons que tout va s'arranger sur Terre et nous savons que c'est le cas non seulement parce que nous pouvons voir les lignes temporelles, mais aussi parce que tous ceux d'entre vous qui sont prêts à attendre et qui sont prêts à croire que le chemin qu'ils empruntent est le bon. Et encore une fois, c'est une grande partie de ce que sont les énergies du 11 novembre. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.